Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais préparer un aquarium pour de futures petites écrevisses naines, des Cambarillus Patsquariensis orange ou CPO. Donc c'est un aquarium qui va être dédié à ces petites écrevisses, il n'y aura que des écrevisses dans cet aquarium. Donc j'ai pris un petit aquarium d'une trentaine de litres, c'est un aquarium de marque Tetra, je l'ai eu sur une brocante. En état neuf, il n'avait jamais servi, donc il y a un petit éclairage avec un tube T5. Voilà, ça va largement suffire pour nos besoins. Donc c'est un aquarium d'une trentaine de litres. C'est suffisant pour avoir un couple ou un trio de petites écrevisses naines. Donc j'ai essayé de faire quelque chose d'assez simple, vous allez voir. Donc on va déjà préparer l'aquarium, on va lui mettre un fond pour faire plus joli. Et après, on va faire l'aquascaping, mais ça va être très léger, vous allez voir, avec des choses très très simples et qui coûtent pas très cher. Donc c'est un petit aquarium d'une trentaine de litres qui fait 25 sur 35 sur 35 cm de longueur approximativement. Donc on va enlever le couvercle pour pouvoir mettre un fond. On va retourner notre aquarium, on va mettre le fond ici. Donc là j'ai déjà nettoyé mais je vais quand même renettoyer un petit peu. Ce que j'utilise, c'est un rouleau de vinyle, comme ça, autocollant. Donc c'est en rouleau. Donc moi, j'ai préparé déjà un petit morceau qui va aller à la bonne taille. Donc on va pouvoir le coller ici. Donc maintenant qu'on a notre fond blanc, je vais mettre dans ce bac de la pouzzolane pour commencer. Donc la pouzzolane, elle va avoir pour effet de faire une filtration biologique naturelle dans le sol parce que c'est très poreux, donc ça va héberger plein de bonnes bactéries pour notre aquarium. Ensuite, sur cette couche de pouzzolane, je vais mettre des petits graviers. Alors ces petits graviers, c'est des graviers tout à fait naturels, vous ne les trouverez pas forcément en animalerie. C'est un sac en fait de petits cailloux pour faire du béton, donc du tout venant, hein, pour ceux qui connaissent le terme. Donc c'est des petits cailloux de divers diamètres, de diverses couleurs. Donc là c'est assez gris, il y en a des petits rouges, il y en a qui ont un peu de bleu. Donc ça permet de faire quelque chose d'assez naturel, d'assez varié. Donc ça coûte vraiment pas très cher si vous connaissez quelqu'un qui fait du ciment, du béton, de la maçonnerie. Voilà, vous prenez un petit peu de ces graviers pour faire du béton et ça sera très très bien. Donc c'est de la pouzzolane de jardinerie, ce n'est pas de la pouzzolane exprès pour aquariophilie qui vous est vendue bien trop cher. Donc c'est vraiment des petits sacs qu'on peut trouver en jardinerie, de la pouzzolane. Hein. C'est exactement la même, que ce soit pour l'aquariophilie ou pour la jardinerie. Là c'est peut-être un peu moins trié, vous n'aurez peut-être pas des bouts aussi petits, mais c'est la même chose. Et ça convient très bien, j'utilise dans beaucoup de mes aquariums. Et c'est parfait. Donc vous le voyez, j'ai évité de mettre de la pouzzolane sur les bords. C'est pas très grave si on en voit sur les bords, mais c'est un peu moins joli que des cailloux. Ça fait un peu moins naturel. On voit qu'on a fait des couches. Donc moi, je mets toujours ça vers l'arrière pour ne pas qu'on voit ça sur les côtés. Maintenant que j'ai mon sol, je vais regarder comment placer mes racines et peut-être une ou deux roches, je ne sais pas encore. Et puis tout de même, au centre, je vais en profiter pour mettre ces tubes céramiques qui sont faits pour les crevettes et petites écrevisses. Donc voilà, pour qu'elles aient un petit endroit où
ou nichées, et puis que je puisse les observer assez facilement aussi, parce qu'elles auront quand même pas mal d'endroits pour se cacher avec toutes ces roches et ces racines, tous ces petits cailloux, mais voilà, c'est un petit plus. J'en ai un depuis longtemps, je ne l'utilise pas dans mes aquariums à crevettes, donc voilà. Donc je vais regarder comment placer tout ça, ça peut prendre un peu de temps, on se retrouve tout de suite après quand j'aurai trouvé un placement qui me convient à peu près. Donc voilà, le résultat après une dizaine de minutes de placement, déplacement des racines. Donc j'ai essayé de les mettre le plus harmonieusement possible. Il y en a une, deux, trois, quatre au total avec les petits tubes en céramique. Donc c'est des vieilles racines pour la plupart que j'avais ou que j'ai récupérées il y a très très longtemps. Donc c'est plutôt bien, on va planter maintenant. Et pour les plantes, bah, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Alors sachant que j'avais utilisé un sol avec des petits cailloux, évidemment je ne suis pas partie sur des gazonnantes, mais vous pouvez tout à fait opter pour de la gazonnante si vous voulez avoir des écrevisses naines comme des CPO. Il n'y a pas de problème, elles ne s'attaquent pas aux plantes saines, donc vous pouvez avoir vraiment tout type d'aquarium, de l'iwagumi à un aquarium classique avec des plantes à tiges. Mais moi ayant ce type de sol, je ne peux pas planter tout ce que je veux facilement, donc je suis partie sur des plantes qui s'accrochent sur les racines et qui ne se plantent pas dans le sol. Donc des anubias et des fougères de Java et aussi une ou deux mousses. Pour fixer ces différentes plantes sur leur support, je vais utiliser de la super glue de la colle cyanoacrylate en gel. La première plante que j'utilise, c'est une fougère de Java classique, une Microcerum theropus. La deuxième plante, c'est encore une fougère de Java, une Microcerum theropus Windelove. Donc elle est un petit peu différente, c'est une variété avec des feuilles un peu crépues, ça donnera un peu de variété. Et comme toujours, n'oubliez pas de pulvériser un petit peu d'eau sur vos plantes au fur et à mesure de la plantation pour ne pas qu'elles sèchent. Je passe maintenant aux anubias. Ici c'est une anubia Barteri coffeefolia, donc une anubia avec des feuilles qui ressemblent à celles d'un caféier. Je poursuis avec une anubia Nana Golden, donc là c'est une anubia Nana mais qui a des feuilles un peu plus jaunes, donc c'est pas qu'elle est malade, c'est pas qu'elle a des carences, c'est comme ça, c'est la variété, donc ça donne des feuilles très lumineuses. J'installe encore une anubia, celle-ci c'est une anubia Nana, petite, donc vraiment une variété à toutes petites feuilles. J'ai presque terminé, maintenant je vais mettre quelques touches ça et là de Cameroun mousse, ce qui donnera un aspect un peu plus vieilli à tout cet aquascape. Et pour terminer, je mets également quelques petites touches de l'Homariopsis lineata. Donc là, je ne la colle pas, je vais juste la caler entre les racines. Et voici le résultat après plantation. Je trouve que c'est pas trop mal pour des racines de récup. Donc comme quoi, même avec des racines pas très jolies, on peut arriver à faire quelque chose en utilisant intelligemment eh bien, les plantes, en mettant des mousses par exemple dessus. Ça peut camoufler des parties qui sont pas très jolies des racines. Les graviers gris, je trouve que ça donne pas trop mal du tout. Donc il ne me reste plus qu'à mettre cet aquarium à sa place et à le remplir. Maintenant que l'aquarium est en place, alors vous inquiétez pas, s'il n'est pas au milieu du meuble, c'est qu'il y a une raison, il va y avoir un autre aquarium là où je suis très bientôt, donc je laisse la place pour cet aquarium. Donc je vais remplir l'aquarium de 30 litres destiné aux écrevisses naines, au Cambarellus petzquariensis orange, et je vais remplir avec de l'eau du robinet. Tout simplement parce que les écrevisses naines n'ont pas besoin d'une eau osmosée ou d'une eau de pluie. Elles n'aiment pas forcément l'eau douce puisque dans leur milieu d'origine, au Mexique, l'eau de leur lac est plutôt avec un pH élevé, entre 7 et 8, et une eau assez dure. Pas trop dure, mais dure quand même. Donc l'eau du robinet, ça convient parfaitement pour la maintenance de ces écrevisses. Donc on y va, je vais remplir avec de l'eau du robinet.
Alors juste avant de finir de remplir l'aquarium, un petit mot sur la technique. Vous l'avez vu, je n'ai pas ajouté de chauffage dans cet aquarium parce que les CPO, toutes les écrevisses naines en général, n'ont pas besoin de chauffage. Donc la température ambiante, ça suffira très bien. D'autant plus que là, j'ai un aquarium avec un couvercle. L'éclairage va chauffer un petit peu, donc je vais rester aux alentours de 19-20 degrés. C'est largement suffisant pour des écrevisses naines. Et puis pour la filtration, dans cet aquarium, j'aurais pu utiliser un tout petit filtre interne, mais j'ai opté plutôt pour une toute petite pompe à eau, toute simple, qui fonctionne en USB, donc ça va consommer trois fois rien, juste pour faire un peu de brassage dans l'eau, parce que je n'aurai que des écrevisses naines dans cet aquarium. C'est vraiment un aquarium spécifique, j'aurai pas de poissons. Si vous voulez avoir quelques poissons avec vos CPO, éventuellement un petit filtre, ça peut être pas mal, mais vous pouvez aussi opter pour la solution d'une petite pompe à eau, juste pour faire un petit brassage d'eau. À vous de voir ce que vous voulez faire. Comme toujours, on attend un mois avant d'ajouter des animaux. J'ai donc attendu 4 semaines avant d'ajouter mes premières CPO. J'ai donc dans cet aquarium de 30 litres 5 CPO que j'ai acheté sur la boutique Aqua Designer Shop. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'unboxing de ces petites bêtes sur la chaîne. Si j'en ai pris 5, c'est pour maximiser mes chances d'avoir au moins un couple. En effet, les reproductions d'écrevisses naines donnent plus de mâles que de femelles. Il est donc plus difficile d'avoir des femelles. En prenant plusieurs, vous avez donc plus de chances d'avoir de la reproduction. Elles se sont très vite habituées à leur nouvel aquarium et chacune a un territoire bien précis. Il y en a une qui préfère être derrière une racine, il y en a une qui a élu domicile dans les petits tuyaux en céramique, une encore qui se trouve entre les anubias. Bref, tout le monde a sa place. En ce qui concerne la nourriture, il existe des nourritures spécialement dédiées aux écrevisses, naines ou pas. Moi, j'ai décidé de leur donner de la nourriture pour crevettes parce que j'en ai pas mal en stock. De toute façon, les écrevisses sont omnivores et détritivores, donc elles mangent vraiment n'importe quoi. Et il n'aura pas fallu très longtemps pour avoir une reproduction. Seulement une semaine après l'arrivée des écrevisses, j'ai la chance d'avoir une femelle qui a des œufs. La femelle CPO est mature à partir de 4 mois et peut porter de 20 à 40 œufs. Les jeunes écrevisses vont sortir de leur coquille après 2 semaines mais vont rester encore accrochées sous l'abdomen de la femelle une semaine ou deux avant d'éclore définitivement. Les femelles qui portent des œufs se cachent le plus souvent donc il n'est pas forcément facile de les voir. Là vous voyez ma femelle après 3 semaines, on voit très nettement les bébés écrevisses qui ne vont pas tarder à quitter l'abdomen et à aller gambader dans l'aquarium. Si l'aquarium est assez grand et qu'il n'est pas surpeuplé de poissons et d'écrevisses, les jeunes ne risquent rien. Ils vont tout simplement se balader dans l'aquarium et trouver leur nourriture tout seuls, exactement comme les écrevisses adultes. Évidemment, pour éviter une prochaine surpopulation, il va falloir pêcher les petites écrevisses au fur et à mesure et les placer dans des bacs séparés des adultes actuels pour ne pas qu'il y ait trop d'écrevisses dans le même aquarium. Et dès le lendemain, heureuse surprise, les bébés étaient nés, donc on peut voir de toutes petites écrevisses miniatures de 3 à 4 mm seulement un peu partout dans l'aquarium. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous en aurez appris un petit peu plus sur les écrevisses naines CPO en particulier, que ça vous donnera des idées pour faire un aquarium spécifique ou non à ces petites écrevisses. Moi je vous dis à très bientôt, bye bye !